c'est une mise en avant qui est en esprit vitrine, qui est composée de deux éléments. Le premier, c'est un corner qui est placé en entrée de la galerie du magasin. Et le deuxième, c'est un îlot dans lequel on va retrouver 12 PLV qui sont remplis uniquement de goûter Saint-Michel. Cette vitrine, qui était stratégiquement placée à l'entrée de la galerie du magasin, nous a permis de capter 100% des clients qui passaient les portiques de Super U, Laravoir, ce qui représente en une semaine près de 16 000 clients. Ce sont plus de 2 000 UC vendus pour une dizaine de références de goûter Saint-Michel qui ont été mises en avant, ce qui représente un chiffre d'affaires de près de 4 500 euros. Donc le principal point fort pour l'opération, c'est qu'on avait déballé tous les donuts Saint-Michel. Donc les clients arrivaient dans le magasin, voyaient les donuts et ils pensaient qu'à une chose, c'était en manger. Ils rentraient dans le magasin, les box étaient prêts, ils n'avaient plus qu'à servir et remplir le caddie. L'autre point fort de cette mise en avant, c'est la qualité des produits Saint-Michel. La mise en avant n'était pas prévue, mais elle est tombée en plein pendant la crise des agriculteurs au mois de février. Donc on était vraiment dans le thème pour les clients avec cette opération. Cette belle mise en avant est à l'image de ce qui est fait au sein des différentes régions. C'est justement nous, notre rôle de chef des ventes, d'accompagner les équipes dans la revente et la transformation de ces opérations en magasin. À titre d'exemple, sur une année, c'est pas loin d'une centaine d'opérations qui sont vendues et montées par les équipes sur le terrain. On est très fiers de ce résultat. C'est un gros travail collectif dans l'entreprise qui réunit les différents services, la logistique, les usines, le marketing, le trade, les gens du commerce et bien évidemment l'équipe de vente qui monte ses opérations dans les points de vente. Et on est aussi très fiers parce que Saint-Michel est la quatrième marque préférée des Français cette année. Et donc on remercie très chaleureusement nos nombreux consommateurs. Merci pour vos votes. Rendez-vous l'année prochaine. Bravo Saint-Michel.